Oh putain, en tout cas, qu'est-ce qui fait chaud. Putain. J'enregistre la vidéo, j'avais presque pas envie parce qu'il faisait vraiment trop chaud. Attendez, quand il fait plus 30 degrés pour enregistrer du Skyrim, là, c'est pas évident. Hein. N'est-ce pas que c'est pas évident, hein. Ça vous fait perdre la tête, voilà, c'est ce que j'allais dire. Ça vous fait perdre la tête. Donc, tac. Un peu d'or, voilà. Oh, elf. Ok, bon, bah apparemment... apparemment, il y a un plan cul qui a pas trop fonctionné dans le coin. Bon, bah c'est... Tant pis pour eux, hein, ma foi. Vous avez qu'à faire ça ailleurs. Je me demande ce que nous réserve en tout cas ce donjon. J'espère de bonnes choses. Peut-être un cri à la sortie que je ne connais toujours pas. Ce serait vraiment bien. Putain. Oh, c'est génial. C'est classe. Allez, on va continuer encore un petit peu. Ah d'accord, en fait pour l'instant il n'y a que des bandits. J'ai pas encore... quelqu'un qui joue. Oh bah... Seigneur Ravageur. Il y a que le nom qui fait flipper, hein, parce que dans le reste, tu m'excuseras, mais tu restes une fillette de 5 ans, hein. Regarde ta puissance. Voilà. Même Jordi, c'est le tas démonté. Donc les armures nordiques gravées, bon d'accord, hein. Tout ça, de toute façon, ça se forge, hein, on s'en fout. Ah, Jordi, j'ai entendu ton arc. Mais... Qu'est-ce qui se passe? Mais, je suis là. Wow. Mais esquive pas. Mais il veut se barrer l'enculé. Ah non. T'en diras pas. Voilà. Allez, lève-toi. Lève-toi, sois un homme. C'est ridicule quand ils sont comme ça là. Non. Ah non, mais non, mais non, 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 Jordi, non, 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 il est à moi, il est à moi, il est à moi, il est à moi, il est à moi. Non, merde, 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 merde. Oh oui, j'ai gagné. J'ai gagné, j'ai gagné, j'ai gagné. Oh yeah. Yes, we did it. C'est gagné. Allez, go. Non, mais merde, depuis 2 heures, j'attends qu'il se relève, là, et l'autre, elle voulait me piquer mon butin. Non, mais oh, n'importe quoi. Quelle rapia. Encore des pommes de cendre, je sais pas à quoi ça sert, je sais pas si ça se mange, c'est de l'alchimie. Je sais pas ce que c'est. Alors, on ne voit strictement rien, je vois juste qu'il y a apparemment des bourses. Ah, oh, ossement, deuxième partie. Je disais justement à ma copine que j'avais lu un super bouquin, ossement, qui était extrêmement intéressant, mais un peu long. Donc, l'homme à la hache, je prends également. J'aime bien des fois lire des bouquins comme ça. Confession d'un demeure amateur de skooma, je l'ai déjà. Histoire de Corberock, je m'en branle. Les murmures du vent, je prends. Voilà. Le chant du poison. Putain, mais ça a l'air bien ça, le chant du poison. Il y a 50 millions de trucs au livre 6. Ouais, bon bah, on va y prendre. Bon, je vais pas y prendre tout à l'heure, mais. Ah là là, livre 3. Bon bah, voilà. En tout cas, ouais, ossement, j'espère qu'il n'y a pas d'autres parties ou que j'arriverai à trouver les autres s'il y en a. Le balafré, une histoire de pirate. Ah, je veux bien, un peu de piraterie. Oh, chercher le trésor d'Aknir, le balafré. Génial, parfait. On le fera juste après. On le fera juste après. Enfin, s'il est pas trop loin de moi, hein. Parce que sinon, on va d'abord à la pierre de l'eau, hein. Faut pas non plus pousser non plus le truc, quoi. Tac, tac, tac. Sinon, c'est tout. Vêtements, machin. Je suis désolé si vous voyez strictement rien. Je suis vraiment, vraiment navré. Moi, personnellement, sur mon écran, j'y vois. Mais vous, après, je sais pas, des fois... Bon, voilà. On retourne un peu vers la lumière et puis on continue ce donjon parce que pour l'instant on en est qu'au tout début, hein, je précise. Mais les bouquins, j'aime bien. Je commence à bien apprécier lire des bouquins. Au début, j'avoue que je ne les lisais jamais. J'en avais rien à foutre. Et finalement, on passe à côté de très bonnes histoires, quoi. Et apparemment, c'est tout. Il y a... Non, attendez. Attendez, attendez. Il y a un passage secret, là. Il y a un passage secret. Ah, putain. Je vois rien, ça m'énerve. Divers. Je dois bien avoir une torche quelque part dans mon cul. Oui bah attendez, où est-ce que vous croyez qu'il met toutes ses gemmes? Regardez tout ce que j'ai en gemmes. Vous croyez qu'il les met où? Bah c'est dans son cul, je sais pas. Équipé. Ah putain, on y voit mieux. Hein. Putain, c'est quoi ce sort que je t'ai mis? C'est de la glace? Ouais, c'est de la glace. Il doit y avoir un levier quelque part, une connerie activée. Quelque chose que j'aurais peut-être pas vu avant. Je sais pas, une chaîne ou... C'est peut-être un peu avant encore. Ah, je sais pas. Tac, tac, tac. Non, je ne sais pas. C'est peut-être pas ici, hein, remarque. Ah, oh, si, quand même. Pff, que ce soit. Réfléchir avant, voyons. Ah, peau d'ours qui cache peut-être quelque chose. Non, rien.
Peut-être par là, hein. Voilà, au moins là vous y voyez beaucoup mieux, vous voyez un petit peu... Ah tiens, il n'y a pas encore de livres. La crise d'Oblivion, demeure ancêtres, demeure de bord de ciel, des vêtements à la con... voilà, bon, rien de très spécial. Bah en tout cas, j'ai pas trouvé le levier, hein, je suis sûr que là, les gens, ils doivent se dire « Ah, t'es passé devant, il est juste là !» Oh putain, je sais que ça vous énerve quand ça se passe comme ça, mais bon, moi j'y peux rien, je découvre, hein, bordel. On trouve pas tous tout de suite du premier coup comme ça, la Sydney Fox l'aventurière. Oh là là, j'ai pas trouvé, hein, dis donc, tu sais, le mec il se met contre la porte et oh putain, il va contre un mur et oh bah tiens, le levier. J'ai pas cette chance là, hein, désolé. En tout cas, non, je ne vois pas où il y a un levier possible. Souvent il est près de... Comment je pourrais dire? Ouais, près d'une source de lumière comme ça ou quoi, mais là non, je ne vois rien. On peut peut-être sortir par là, ça c'est peut-être une porte de sortie, hein, on ne sait pas. Bah écoutez, je ne sais pas. Si jamais vous avez la solution quelque part, évidemment sans trop de spoil, hein, comme ça vous êtes adorable là-dessus. Donc oui, bah je ne sais pas. Je pense que ça va être une porte de sortie et puis voilà. Hein. Je ne vois que ça. Allez, eh ben on sort d'ici. Arme. Retrouve mon arme. Voilà, mon marteau d'Edric. Oh putain, mais il n'y a plus de... Ah. Il faut que je trouve un humain à tuer pour régénérer le... Ouais, j'ai plus de pouvoir avec ce truc, les atteints, non. Alors, bon, bah, dommage. Dommage, dommage. J'aurais pas trouvé le... J'aurais pas trouvé un super truc. Enfin bon, la pierre de l'eau est juste là-bas. Par contre, j'aurais bien aimé, c'est trouver le trésor de l'autre. Chercher le trésor d'Aknir, machin. Il est où ce trésor? Ils vont pas te l'indiquer, je parie. Il faut lire le bouquin et trouver nous-mêmes. C'est ça, je suppose. Hein. Oui, oui, vous allez me répondre. Ah non. Ah d'accord, il est par là-bas. Faudra que je me TP à la pierre du vent. Oh bon, pire, quand on se TP au village, on ira là-bas et puis, allez. On va continuer vers donc la pierre de l'eau. Continuer par là-bas. Cendre, tac. Il y aura peut-être de l'herbe encore là-dessous. Voilà, regardez. J'en ai trouvé. Oui, les dégâts de chute, on s'en fout. Voilà, voilà. Putain, j'en ai combien alors de ces cochonneries là? Ça doit être dans potion, sûrement. Non, qu'est-ce que je raconte? Dans nourriture, je veux dire. Non, c'est dans quoi? C'est dans divers alors. J'aime spirituel. Gemme de résonance de Kagrumez. Ah oui, oui, oui. Il faut que je cherche comment rentrer dans Kagrumez. Ça aussi, je ne sais pas. Cuir de neige. Ça doit être plus résistant, je sais pas. Crochet, cœur de pierre. Oh, regardez, mon cœur de pierre, vous avez vu, qu'est-ce qui lui arrive? Ouais, c'est marrant. Bon, bah, je sais pas combien j'ai de machins, là, de ces trucs. Ah, oh, c'est chiant. J'aurais aimé savoir. Ah, ah, des ennemis. Parfait. Parfait, parfait. Merde. On va pouvoir régénérer un peu mon marteau parce que là, il me paraît un peu faiblard. Faut aller déjà sur armes. Sélectionner la gemme. Donc moi, c'est simple. C'est... Non, c'est l'étoile noire. Donc c'est tout en bas, normalement. Voilà. Voilà, bon, c'est une petite régénération. Toi, je vais capturer ton âme. Merci. Une âme humaine. C'est exactement ce qu'il me fallait. Et bim! Voilà! Parfait. Bon, on va même pas les fouiller parce qu'ils m'ont l'air tellement mauvais. Que... Ah putain, ça y est. Ça y est, c'est parti. Ça y est, on va grimper là-haut. Eh bien, je vais invoquer le cheval que j'ai trouvé dans Dawnguard. Qui m'est extrêmement utile. Donc c'est dans Conjuration. Invoquer Arvak. Arvak! Je t'invoque sur le terrain! Face recto! Arvak? Ah! c'est le gros fail! Arvak? Arvak, t'es où? Bon, toi, tu te démerdes pour grimper, hein? Nous, on encule la gravité. Regardez-moi ça! Regardez-moi ça! Gravité zéro. Non, mais putain, rien de moi, cette porte que je me prends. En fait, c'est même pas du tout par là que je dois aller, hein? Mais je sais pas, j'avais envie de grimper. J'avais envie de prendre un peu de hauteur.
Tant pis, on ira à la pierre de l'eau plus tard, on s'en fout. Maintenant qu'on a commencé à monter, on finit. Ah oui, parce que Raven fait toujours ce qu'il a commencé, hein, attention. Voilà, regarde-moi ça. Voilà, bon. Où est-ce qu'on est? On est de l'autre côté de la montagne, on est... Hop. Un gîte abandonné. Il y a peut-être quelque chose d'intéressant à regarder là-bas. Allons voir. Ah, nécessite une clé. Oh, intéressant. Non, Arvac ! Ah, merde, Arvac, meurs pas si vite. Réinvocation d'Arvac. Souvent, en fait, avec Arvac, j'ai l'impression que dès qu'on se bat de son dos, il disparaît tout de suite. C'est genre, en fait, une utilisation, puis après, tu te démerdes. Et pas pour quelqu'un qui a pas trop de magie, c'est assez utile, en fait. Je me suis jamais fait de points de magie, pourtant, vous voyez. Ça aide bien. Parce que, regardez, compétences... J'ai 162 points de magie, mais en fait c'est uniquement grâce à mon casque. Mon casque qui me confère 62 points de magie supplémentaire. Je vais vous remontrer juste rapidement. Voilà, magie plus 62 points. C'est tout. Uniquement grâce à ça, et ça me permet d'invoquer Arvac et ça suffit largement. Quoi. Largement. Y a une grotte apparemment pas très loin, j'ai bien envie de la découvrir. Oh là, oh là, oh là, oh là, doucement! Aïe! Ah! Oh ah, oh, ça doit faire mal! Regardez! Oui! Oui! Aïe! Aïe! Oh! 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 Aïe! Oh! 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 Putain, mon dos! Oh, mes orteils! Oh, ma couille! Ah, bah, je suis mort! Oh, c'est énorme! Oh, c'est con! Mort comme une merde. Cette putain de descente que je viens de vous faire quand même. Rien que pour vous les amis, c'était rien que pour vous. Par contre, est-ce que ça m'a pris en compte ma petite cabane ou pas? Ah bah non, ça a dû... Oui, ça a revenu à la sauvegarde d'avant, ce qui fait que... Ah merde. Bon, on va aller à la pierre de l'eau. Et après, on va grimper là-haut et essayer de découvrir un peu tout ce que j'ai raté. Et puis pourquoi pas après utiliser le crâne de Karstag. Pourquoi pas. Vu que maintenant je sais comment on fait. Putain, en tout cas la descente vertigineuse quoi. Oh là, laisse tomber quoi. Bon. Où est-ce que j'avais trouvé? Oui, c'était par là-bas. J'avais trouvé encore des feuilles. Ouais, c'est tout là. Tac. Je prends et je prends. 3 de plus. Ah. Là il y a mes deux compagnons. Donc là je dois tout recommencer. C'est génial. Objet. Non, pas tenue. Arme. Marteau. Étoile noire. Quoique, on va utiliser quelques gemmes à la con pour... Voilà. Maintenant, on n'a plus qu'à tuer un humain ou une humaine. Non, non. C'est à moi. C'est à moi de régler ça. Moi, capturer toutes les âmes que je trouve. Donc, normalement... Je vérifie à chaque fois, hein, je préfère. Mon étoile noire doit être rechargée. Voilà, âme sublime. Et elle, j'ai vu qu'elle avait ce que je cherchais. Les gantelets. Voilà, ce que j'avais dit tout à l'heure, hein, il manquait les gantelets. Et tiens, une nouvelle... une armure un peu différente que celle que j'ai, donc je la prends aussi. Voilà. C'est pas mal, attendez. Et les bottes, c'est des bottes classiques. Enfin, je crois. T'as une flèche plantée, genre 10. Tenue. Attendez, ch'tin, bottes. J'ai pas les bottes. Gantelet. Oh là là. Il y a tellement de trucs. Ouais, bah, tu sais quoi? Tu sais quoi, pour la peine? Et bah, je les prends aussi, comme ça, t'es bien à poil et t'es bien emmerdé dans ta mort. Non, on va pas remonter là-haut. On va y aller après. De toute façon, vous avez vu, hein, y a un gîte, apparemment, il me faudrait une clé. Où trouver cette clé? Très bonne question. Très très bonne question. Je ne sais pas. En tout cas, bon. On va continuer par où maintenant? C'est bien gentil tout ça. Mais... Apparemment, il y a des gens qui sont venus par ici. Trouver, je ne sais pas, le bonheur. La mort. Masse. C'est quoi ça? J'y prends. Je sais pas à quoi ça sert, toutes ces conneries. Peut-être que c'est totalement inutile. Je ne sais pas. Apparemment, il y a un filion, je sais pas quoi là, il y a un truc. Bon, j'irai après, on s'en fout. On n'est pas là pour ça. Oh, regardez! Hey, coucou! Aïe!
Non mais dis. Enculé de sanglier là. Non mais oh, c'était pas Pumba mon ami cette fois. Mais c'est justement ce que les Ricklin chassent normalement, non? Alors après, pour moi, je croyais qu'ils les chassaient. Et qu'ils les bouffaient, mais en fait, j'ai l'impression aussi des fois qu'ils s'en servent comme ils peuvent s'en servir comme monture, ça se trouve. Combattre avec en monture, comme des gobelins frais avec je ne sais pas quoi, moi. C'est une possibilité, hein. En tout cas, il y a un bateau là-bas, tu vois. C'est marrant. Est-ce que je peux y aller à ce bateau? On va essayer d'aller à ce bateau. Je suis assez curieux de. Je suis assez curieux là. Y'a rien de toute façon dans ce bateau, ça se trouve, hein. Mais bon, c'est juste par curiosité, j'avais envie de voir. Je peux pas monter dedans. Y'a pas un moyen pour monter dedans, non. C'est un bateau qui est là, et puis c'est tout. Ok, bah va te faire foutre. La pierre de l'eau doit plus être très loin. Je sens sa puissance. Non, en fait, j'en sais rien où elle est, ce qu'elle est, j'y suis jamais allé. Oh, regardez! Encore des Pumbas. Sors ton marteau. Oh yeah. Allez pas emmerder mon pote le Netch. Ah. Oh putain. Yeah. Alors, tu es prêt à te battre? J'ai envie de voir un coup critique sur un sanglier, ce que ça fait. Ah non, merde. Ah merde. Ah, j'aurais voulu voir un coup critique ce que ça faisait. Truffe de Namira, viande de... Je prends la viande de sanglier. T'imagines, tu lui aurais donné ça à l'autre là, de la viande de sanglier? Tiens. Fais ton petit carnivore là, mange les tiens. Garde des petits nuts là, c'est pas méchant. Ça se trouve, c'est comme les géants, si on les emmerde pas, ils nous emmerdent pas. Ah, regardez, c'est là-haut. Il faut trouver un moyen pour monter là-haut. Alors évidemment, j'utiliserai bien mon cheval, mais là, la pente est vraiment trop. Non. Il y a trop de pente. Il faut que j'aille par rapport à un autre point. J'aurais dû. Ouais, bah en fait, j'aurais peut-être dû faire le tour un peu avant. Bon, c'est pas grave. Voilà, on peut monter peut-être par là. Il y a peut-être un chemin. Oh, un oiseau. Un oiseau, regardez. Les oiseaux que j'ai jamais réussi à tuer. Impossible. À l'arc, oui, mais... Ah. Oula, oula. L'autre, il s'entraîne. Il y a même des feignants. Bah alors, miracle. Ah non, regardez, il se bat contre... Allez, venez. Mais tu es censé, toi? Bon, bah, je t'ai fait. Voilà. Encore. Qui es-tu? Non, en fait, il est possédé, il est juste stupide. Bon, écoute. Mirak, c'est la fin pour toi. Je libère le pouvoir de cette dernière pierre qui a failli finir d'être construite, d'ailleurs. Attention! Un rôdeur apparaît! Un rôdeur gardien. Alors après, le double rôdeur, maintenant, c'est un rôdeur gardien qui est un peu plus costaud, mais que je trouve tout aussi niais, tout aussi utile, tout aussi frêle que les autres. Voilà, regardez. Pas compliqué. Et en plus, je capture son âme. Oh, 439 pièces d'or, merci. Furtivité, et voilà. Le reste, je m'en fous. J'ai purifié toutes les pierres. C'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Et ben, on va remonter là-haut, peut-être, non? Comment on fait? Ah. Ah. Ah, ah, ah. C'est quoi, ça? Alors, tu veux te battre? Je crois que ça veut dire oui, dans son langage. Tu crois me faire peur, petit dragon? Tu crois me faire peur à moi, le Dovahkiin? Voilà! Mais tiens, mange! Et bah voilà! Il se sera à peine perché, il sera déjà mort. Le pauvre. Ah, attendez, masse d'acier d'écaille, c'est quoi ça? Ah non, je croyais d'écaille, j'avais cru lire. Pff, d'acier d'éclair. C'est la chaleur, je dis n'importe quoi. Voilà. Allez, donne-moi ton âme un petit peu, là, j'ai besoin d'âme, moi. À moins que Mirak va encore me la voler. Ce qui est possible, je ne sais pas. Attention. Bon alors? Alors, je crois que c'est bon, elle est pour moi. Parfait. Une autre âme de dragon en plus, c'est royal. On va donc passer par là-haut. En invoquant notre pote. Pote Arvac. Et y a pas Mirak qui apparaît, tu vois, c'est marrant. J'aurais pensé qu'il allait venir. Ou alors, bah attends, ils sont tous choqués. Moi, j'ai jamais rien vu de pareil auparavant. Allez hop. Arvac. Viens là, mon fidèle Arvac. Cette fois-ci, tu ne me fais pas défaut, hein, tu. Me laisse pas crever les jambes écartées contre un rocher. Hein. Tiens, il y a un ennemi. Plus. Oh, un petit Ricklin comme c'est mignon. On va continuer par là-haut. Voilà, allez, on fait tout bugger, on s'en branle. Voilà.
pas du tout par ce chemin-là que t'étais censé arriver. C'est pas grave. Bon. Voilà, on est arrivé. Ah, vous voyez, je vous avais dit. Je vous avais dit. Non, mais moi, ça me faisait penser aux gobelins qu'on voit et tout. Oui, oui, ça... D'accord. Je me suis douté qu'ils allaient s'en servir comme monture. En tout cas, ce sont des reclines sauvages extrêmement agressifs. On va un peu les calmer. Voilà. Putain, c'est marrant qu'ils prennent plusieurs coups à crever, s'ils sont tout petits. Enfin bon. Vas-y, Armec, t'es un champion. Chevaucheur, recline. Et ben voilà. Et ils meurent tous les deux. Ouais, ils meurent tous les deux. Enfin, je sais pas, on sait jamais. Hein. Des fois, je tue que la monture et puis après, t'as le petit à pied qui essaie de me tuer. Hein. On ne sait pas. Bon. Allez, on va monter là-dessus et puis on va tuer les survivants. Sachant qu'Arvac n'est plus là. Bon, tu es prêt? Allez, viens te battre. Et pim, tape tout. Voilà. Parfait. Je prends tes lances. Ça ne sert à rien, mais je me demande si je peux même les utiliser. Bon, il n'y a plus... Si, j'allais dire il n'y a plus rien, mais si, si, il y a encore quelque chose. Il faut juste que je trouve le dernier. Bouclier, orc, crochet, un marteau. Pourquoi j'ai pris un marteau? Si j'avais un marteau. Viens, allez. Ah, putain de recline de merde. T'es, il est où? Bah, il est passé. Ah, d'accord. C'était en fait le... Bah, il se barre. Ouais, j'ai vu un flocon de neige. Je vais peut-être y aller. Ah, éclaireur. Tiens, l'éclaireur. Oh, t'as raté ton coup. Encore? Oh, t'as raté ton coup. Bon, c'est pas grave. Alors ça, c'est le guerrier. Voilà. Toi, tu vas crever. Putain, c'est plus résistant que ce que je croyais. Ah non, c'est bon, c'est que je tapais l'autre. Et bim. Vous n'avez rien vu, c'était interdit aux enfants. Voilà. Ouais, de l'or. En tout cas, j'ai pété les tonneaux. Je savais même pas qu'on pouvait encaisser les tonneaux. Ouais, bon. Coffre. Apparemment, il protégeait quelque chose. J'aime spirituel supérieur. Je prends lingot d'argent. Je prends. Et je prends tout. Et un autre coffre. Compagnie de l'Empire Oriental. Bon, c'est juste pour... C'est juste pour augmenter, voilà, mon niveau en serrurier. Diamant, grenat, de l'or, potion suprême, rubis, et encore un pendentif que je n'ai rien à foutre. Ah, il y en a encore. Ah, mais vous êtes combien, là? Ah non, mais... Je t'ai pris pour un recline, tu m'excuses. Bon, bah, tu vas mourir. Voilà. Non, on est là. Oh là là, tu n'es pas encore mort. Bon, bah, voilà, je l'ai tué avant toi, je crois. Bon, alors, est-ce qu'on se fait cette petite... Ouais, on va se la faire, celle-là aussi. Oh, là, on se balade un peu, j'avais dit, c'est... je l'avais dit depuis le début. Cette session, on va pas trop faire de quête principale, on va un petit peu faire autre chose, hein, de toute façon. On fera bien, on a fait un peu de la quête principale en purifiant les pierres, hein. Là, je profite du fait qu'on soit par ici, c'est tout. Ouais. Donc, on va rentrer dans ces ruines, et puis on va voir un peu ce qu'on y trouve. Allez. On va à Falbders.